Et c'est donc toute une région qui est venue soutenir ce matin les salariés de l'usine Renault de Maubeuge. Des salariés inquiets qui redoutent de faire les frais du plan d'économie annoncé par le constructeur automobile cette semaine. Plan qui prévoit 15 000 suppressions d'emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Plusieurs milliers de personnes ont donc défilé jusqu'à l'hôtel de ville en donnant de la voix, Maximilien Carlier. Excellent, vive ! Et on est là pour ça. Oui, effectivement, Fabienne, ils sont là pour ça, soutenir leur usine. En tête du cortège, syndicats élus de la région, masqués, une banderole dans les mains qui vise directement le chef de l'État et le patron de Renault. Sénart égale trahison, Macron tient ta parole. Monsieur le Président de la République, vous êtes venu ici il y a moins de 2 ans. Arnaud Decani est le maire de Maubeuge. Vous avez regardé les salariés dans les yeux, vous leur avez dit qu'ils étaient compétents, c'était la meilleure entreprise du groupe Renault en Europe. Donc c'est important maintenant, on a besoin de vous. Vous devez aujourd'hui nous soutenir dans ce combat. Car c'est tout un bassin de population concerné, environ 100 000 habitants, 2 100 salariés intérimaires dans l'usine. Rabat y travaille depuis 20 ans. J'ai construit ma vie avec MCA, j'ai mes enfants, ma maison, ma vie de tous les jours, mon bien-être, mon équilibre. Et non, je ne suis pas pour la fermeture et je ne suis pas pour la délocalisation de MCA. Parce que ce que ça va engendrer après tout ça, c'est la fermeture de toutes les petites boîtes, toutes les petites structures qu'il y a autour. Et ça, non, on n'en veut pas. Et la mobilisation se poursuit encore ce midi devant l'hôtel de ville avec des prises de parole d'élus et de syndicats.